Ça va? Ouais, mais j'ai bien failli te faire taillader en pièces. Non, t'en fais pas, on est bientôt arrivé. Encore un effort. Attention! Non, fais pas le con! Sur la plage abandonnée, coquillasses et crustabris, qui dans la guilde voulut rentrer, mais trop heureux s'en sont enfuis. Tel qu'un coucher de soleil pour se remettre d'aplomb. Oh, bah tiens, des bulles. Vas-y, fais éclater. Oh ouais, c'est de la bolle. Passe-moi ça. Oh ouais. Ah, c'est crabby. Au moins, ils n'ont pas de soucis. En tout cas, cette vue vers l'horizon me remonte le moral. Quand ça va mal, au moins, j'ai ce coucher de soleil. Tiens, il y a quelque chose au milieu de ces rochers. Mais qu'est-ce que... Quelqu'un est inconscient! Ça va? Tu vas bien? Réponds! Tu respires? Est-ce que tu m'entends? Hé, poto! Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il y a ce type tout combatteux là, qui est par terre et j'arrive pas à le remettre sur pied! Ouais, je peux aider. Mais t'as pas du feu? Ah oui, tiens. Flamèche. Ah ouais, merci, poto. T'es sûr que tu vas le sauver en tapant un bédo? Bon, laisse tomber. J'ai une idée. Allez, debout! C'est l'heure! 18h! Ouais, c'est pas cool de taper des gens. Puis c'est love, gars. Allez, réveille-toi, merde! J'ai pas envie d'avoir une mort sur la conscience! Mais c'est pas bientôt fini, ce bordel! Aïe! Mais pourquoi tu m'as frappé? Mais ça ne va pas de me coller des pains! Mais c'est toi qui me collais des pains! Et moi je m'inquiétais, t'étais à HS il y a même pas 10 secondes! Tu t'inquiétais? Vraiment? Mais oui! J'essayais même de te réveiller! À coup de mandale! J'ai paniqué, voilà. Mouais. Merci, je suppose. Aïe. Dis, tu te souviens de pourquoi t'étais dans les vapes? Ah, mais je me suis pas présenté. Moi, c'est Wistikram, enchanté. Et toi, je t'ai jamais vu. T'appelles comment? Je... D'ailleurs, t'es le premier Pikachu que je rencontre dans la région. Ça va? Pourquoi tu réponds plus? Premier Pikachu? Et tu parles à quoi? Bah à toi, voyons. Une peau jaune, des pommettes rouges sur les joues et une grande queue en forme d'éclair. Pardon? Pas celle-là! Derrière moi... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Au secours, tirez-moi ça! Pourquoi j'ai une peau jaune? Pourquoi j'ai une queue? Je suis un humain, normalement pas un Pokémon! C'est quoi ce truc? Retirez-moi ça! Tu m'as l'air un peu sur les nerfs, toi. T'es sûr d'être un humain? Oui. Non, parce que personne n'a jamais vu ici. Et tu te souviens pas de comment tu t'appelles? Ne plante pas cette fois. Raphaël... Je m'appelle Raphaël... D'accord... Bon, en tout cas, Raphaël, tu m'as pas l'air d'être un méchant Pokémon. T'es peut-être un peu... bizarre... Mais, désolé d'avoir douté de toi. Non, parce que ces derniers temps, il y a pas mal de Pokémon agressifs, donc... Oui, bah, n'est jamais trop prudent. Je vois... Du calme, Raph. Du coup, tu te sens... Ah, mais ça va pas, je t'ai rien fait. Ce sont eux, derrière toi. Mais qui êtes-vous? Lui, c'est Nosferatu. Et la grosse bouboule, c'est Smogo. Je suis pas gros. Mais dis-moi, macaque, qu'est-ce que tu viens de faire tomber par terre? Non, c'est... Alors comme ça, tu caches des choses coquines dans ton sac? Voyons voir. Nosferatu,
Ouais. Depuis quand t'as des yeux? Bon, file-moi ce bignous, Mogo. Non, touche pas à ça, non! Trop tard! Dévoilons ceci au grand jour! Non! Caillou? Bah, ouais. Tout ça pour. Tout ça pour une racaillasse à la con! C'est pas une racaillasse à la con, c'est mon trésor! Ah, mais ça change tout! Si c'est ton bibi... Alors on va t'emprunter. Non! Et toi Raphaël, pourquoi tu leur dis rien? Des cailloux! Tu veux que je réagisse face à des voleurs de cailloux, moi? Bon, bah en attendant, on s'en va. Essayez de nous rejoindre. C'est pas si un caillou, c'est une racaillasse, je t'ai dit. C'est pas pour les dire, regarde ce que tu me fais dire. C'est mon trésor, c'est pas un caillou, c'est mon trésor. C'est mon trésor. J'y tiens comme la prunelle de mes Attends, yeux. Ils sont en train de se barrer vers la grotte. Quoi? Mais suivons-les alors, dépêche-toi. Mais pourquoi? Parce que... Aïe. Mais arrête, aïe, arrête de me tirer l'oreille, aïe. Je me demande par où passer, il y a deux chemins. Ça me rassure pas, mais je pense qu'ils sont au fond de la caverne. Il y a quoi là-bas pour te faire peur? On n'a qu'à y aller et observer. J'en sais rien, c'est pour ça que je te demande de m'accompagner. Super. Au pire, on fait demi-tour et on se casse. Hors de question. C'est mon trésor qui est en jeu. Ok, c'est bon. Je vais prendre une direction... à gauche, tiens. Pourquoi à gauche? Écoute, tu me tires l'oreille. Tu me mets des baffes et en plus je t'aide à retrouver ta babiole. Alors tu me laisses bien choisir ce que je fais, sinon je me casse et je te laisse tomber. D'accord. C'est bon, c'est pas la peine de s'énerver, d'accord. Allons-y. Ça a l'air de déboucher sur quelque chose. Ouais, mais y'a rien. Juste des flaques. Attends, c'est quoi ce truc? Un fruit? Une perron. On devrait la prendre. T'as une idée de ce que ça fout en plein milieu d'une grotte? Eh bien, on est dans une grotte surplombée par des arbres fruitiers, donc elle a dû tomber. Ou sinon... Ah! J'aime pas ça. Quoi encore? On est peut-être dans un abri utilisé par un autre Pokémon. Si ça se trouve, il est sorti ou de l'autre côté de la grotte. De toute manière, il n'y a que ça ici. D'accord, on va se dépêcher. Machin? Oui, Raphaël? On est à l'embranchement, mais je vois plus de sortie. Quoi? Je plaisante pas. On vient bien d'ici, on n'a pas manqué d'embranchement que je sache. Non, on a bien suivi le sol. Mais c'est une blague! Les deux n'ont quand même pas pu fermer l'entrée de la caverne! On est piégés comme des cons! Oh. C'est pas possible. Regarde, c'est pas comme si c'était un effondrement ou une fermeture. On dirait que rien n'a jamais bougé. Mais dis si tu comprends! Pour moi, on est juste coincés comme des cons dans une grotte de merde! Calme-toi, Raphaël! Je t'explique. Tiens, assis-toi et mange ta main. Alors, comment dire? Cette grotte, il s'agit d'un donjon mystère. Un quoi? C'est bon. Comment t'expliquer ça? En gros, on peut pas sortir d'ici comme ça. Certains endroits sont étranges et défient toute logique. L'environnement change à chaque visite de l'endroit ou lorsque l'on s'enfonce plus profondément dans la zone. Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? Et tu l'as bien vu, on est pris au piège. Il est impossible de quitter un donjon si on n'a pas le matériel nécessaire. Ou alors, il faudrait atteindre le fond. Mais à quoi ça sert d'atteindre le fond si on peut pas se barrer alors? Eh bien... Impossible d'expliquer pourquoi, mais... Apparemment, atteindre le fond d'un donjon permet de sortir sans encombre. J'imagine qu'ils suivent tout de même leurs propres règles. Pratique. Je crois reconnaître ces deux débiles. Allons-y! Allons-y! Cachons-nous, ils sont juste devant. En même temps, t'as vu leur tête? Oh ma pu merde, j'en ai marre, j'y vais. Mais reste discret. Je m'en fous. J'entends comme un bruit. Moi aussi. Vous voilà. Je vous préviens, vous me rendez ma pierre, hein, sinon je fais quelque chose. Viens la chercher, celle est si spéciale, on pourrait bien la revendre à prix d'or. Allons plus loin, Smogo. De toute façon, ils auront trop les chocottes pour nous suivre. On est au fond d'une caverne, là. Vous êtes au courant que vous n'allez nulle part où fuir. Allez, les cons!
On est peut-être acculés, mais on va vous mettre une bonne raclée. Bien dit, Smogo. Moi, je vais m'occuper du Pikachu à deux pattes. Aïe pour aïe, tant pour autant. Qu'est-ce qui s'est passé? Smogo? Mais qu'est-ce que vous avez fait à Smogo, bande de malades? Il était là et... Il a fait pouf! Ah bah oui, le feu et le gaz, forcément... Mais vous l'avez tué! Smogo! Non, je suis vivant! Mais en fait, vous êtes complètement naze! Tiens, prends la taracaillasse de merde! Aïe, sans rancune! Hein? Hein? Oui, sans rancune! Au secours! Au secours! Ah! Merci beaucoup, Raphaël! Grâce à toi, j'ai pu récupérer mon trésor! Bah, j'ai pas fait grand chose, hein! Au final, tu leur as flanqué le feu aux fesses et moi, j'arrivais à peine à courir. J'avoue que j'étais énervé, mais je serais jamais allé aussi loin dans cette grotte tout seul. Mais dis-moi, pourquoi tu cherches absolument à protéger ce caillou? Il y a quelque chose de spécial? Mon fragment de relique? Fragment de relique? Qu'est-ce que c'est? C'est comme ça que je l'appelle. Ce fragment, c'est mon plus précieux trésor. Eh ben. Tu sais, j'ai toujours adoré les légendes et l'histoire. T'imagines même pas à quel point je suis excité à l'idée d'entendre des contes. Pas toi? Je sais pas trop. Enfin, je me souviens de rien. Ah. Mais oui, j'adore sincèrement tout ça. S'emparer de trésors abandonnés, découvrir des zones inexplorées et lever le voile sur des mystères. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons. J'en doute pas, tu as les yeux qui brillent. Et tu vois ce fragment de relique? De loin, il semble insignifiant. Mais de plus près, regarde à quel point un de ses côtés est lisse. Des gravures avec deux cercles concentriques, entourées de... On dirait quatre montagnes séparées par des vagues. C'est ce que je pense aussi. Il y a une signification, j'en suis sûr et je veux la découvrir. Il y aura sûrement des tas de trésors à la clé. Wow. Juste... Wow. Et c'est pour ça que je veux rejoindre une équipe d'exploration. Il y a quelques heures, j'ai tenté de rejoindre la guilde en tant qu'explorateur débutant, mais... J'ai eu les jetons. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire, Raphaël? T'as perdu la mémoire et tu te prends pour un humain. Mais je suis humain! Si tu le dis. Mais tu dois pas connaître les environs. Tu me poses une colle, hein. Surtout après avoir cavé comme ça et tabassé des mecs. Désolé. Mais voilà. Sinon... Je peux te demander une grosse faveur. Dis toujours. Est-ce que... Par le plus grand des hasards, si ça te dérange pas, tu... Est-ce que tu voudrais former une équipe d'exploration avec moi? Pardon? Je suis sûr qu'on pourrait former un duo d'enfer. Cette grotte n'était pas compliquée à explorer au final. Mais regarde ce qu'on a accompli. Alors? Non. Quoi? Mais... Je déconne. Tu me vends super bien le truc. Ça me donne envie d'essayer, franchement. C'est vrai? Tu veux vraiment former une équipe d'exploration? Une vraie équipe? Puisque je te le dis. Oui, ça me tente. Ouais! Merci Raphaël! Tu vas voir, on va devenir les meilleurs. Les meilleurs! Par contre... Il faudrait d'abord s'inscrire à la guilde de Gros Doudou en tant qu'apprenti. Ok, je te suis alors. On va former la Dream Team. 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 Attends-moi, je vais te paumer. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.